Mesdames, Messieurs, moment arrivé pour nous mettre tête ensemble, pour nous combattre la violence aux femmes actives dans le pays d'Haïti. Depuis quelque temps, nous constatons que les femmes ne pas suspendre service outils pour faire revendication passée ou bien pour régler leur cause. Nous disons non à la vie politique. Ça y principalement, le phénomène viol là, qui va le pays nous a une vieille image. À cet égard, l'État a pris certaines dispositions afin de renforcer son arsenal juridique en matière des différentes formes de violence à l'égard des femmes. Je veux parler, entre autres, la ratification de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, Belém do Pará. Le décret de juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Ces dernières mesures modifient considérablement le code pénal en matière d'agression sexuelle et d'adultère. Puisqu'avant juillet 2005, la section qui traitait des questions du viol dans notre code pénal s'intitulait « Attendra aux mœurs ». Depuis plus de 14 années, l'article 278 et suivant du code pénal se lisait ainsi. Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, menace ou pression psychologique contre la violence de l'un ou de l'autre sera puni de 10 ans de travaux forcés. Fin de citation. Il faut aussi souligner la proposition de loi portée par l'honorable sénatrice Dieudonné Numa Etienne sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences contre les femmes et les filles mineures qui a reçu un vote d'acceptation favorable à l'unanimité au Sénat de la République. En outre, d'autres mesures structurelles sont déjà envisagées par l'État puisqu'il s'agit des actions de coordination et d'harmonisation des interventions prévues par le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027. Mesdames, Messieurs, malgré toute avancée qui fait dans le niveau structurel et juridique, dans le domaine de la violence sous femme active, la réalité a montré nous en clair, la population n'a pas encore mobilisée. Ça veut dire, aujourd'hui, nous songeons 12 mesdames qui étaient dans la prison civile Gonaïve là. Côté en pile, dans 378 policiers et prisonniers à travers la prison Gonaïve, ont été traversés à violer mesdames. Dans ce moment, on a demandé un moment de silence pour une minute. Dans nos 12 femmes, voyons ça. Serait de supprimer totalement le viol. Mon souhait est d'obtenir la disparition d'une arme de guerre importante de l'arsenal des conflits. L'absence d'une évaluation quotidienne des risques pour les filles et les femmes dans les espaces publics et privés. La suppression d'une affirmation violente du pouvoir. Un changement pour la société. Le viol n'est pas un acte éphémère isolé. Il meurtrit la chair et reste gravé dans la mémoire. Il peut avoir des conséquences non choisies qui changent la vie, une grossesse ou la transmission d'une maladie. Ces effets dévastateurs et durables s'étendent à de nombreuses personnes, la famille, les amis, les partenaires, les collègues. En situation de conflit, comme en temps de paix, le viol pousse les femmes à quitter leur communauté par crainte d'être agressées ou stigmatisées
du fait de leur statut de victime. Les femmes et les filles qui fuient leur foyer en tant que réfugiés se trouvent exposées à des conditions de vie et de transport dangereuses et précaires. Les portes ne se ferment pas toujours à clé. L'éclairage est parfois défectueux et les installations sanitaires ne sont pas forcément adaptées. Les filles mariées, en quête d'une sécurité accrue dans leur foyer ou dans les camps de réfugiés, peuvent se retrouver dans des situations de viol légitimées. Et celles qui souhaitent s'échapper ont peu de recours pour trouver un abri ou un logement sûr, par exemple. Dans la grande majorité des pays, les adolescentes sont les plus exposées au risque de violences sexuelles de la part de leur mari, partenaire ou petit ami actuel ou ancien. De par notre travail sur d'autres formes de violence, nous savons que des millions de femmes et de filles ne sont pas en sécurité chez elles. De manière quasi universelle, la plupart des auteurs de viols ne sont pas dénoncés ou restent impunis. Pour pouvoir signaler un acte de violence, les femmes doivent tout d'abord faire preuve d'une très grande résilience pour revivre l'agression. Ensuite, elles doivent savoir où aller et avoir un certain degré de confiance dans la réactivité des services sollicités, à supposer qu'ils existent. La détermination de l'Organisation des Nations Unies à mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles est sans faille. À travers l'initiative Tous Unis d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, le secrétaire général, M. Antonio Guterres, invite les gouvernements, la société civile, les organisations des femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et l'ensemble du système des Nations Unies à unir leurs forces pour lutter contre l'omniprésence de la violence à l'égard des femmes et des filles et de la misogynie dans nos sociétés. En Haïti, les Nations Unies accompagnent le gouvernement et ses organisations féminines dans la mise en œuvre du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers de nombreuses actions clés, telles que l'appui à la création d'une unité de lutte contre les crimes sexuels au sein de la police. Nous soutenons aussi le ministère de la Justice et le ministère de la Condition féminine dans le cadre du programme mondial Égalité devant la loi pour les femmes et les filles d'ici à 2030, pour éliminer toutes les mesures légales discriminatoires envers les femmes, dans le sillage du projet de loi proposé par la sénatrice Dieudonne Étienne Luma. Enfin, avec le concours de l'Union européenne, nous travaillons avec les institutions de l'État pour lancer en Haïti le programme Spotlight de lutte contre les violences domestiques contre les femmes et les filles. Comme l'ont souligné les conclusions du Forum national Femmes, Paix et Participation politique, présidé les 3 et 4 avril dernier par la Première Dame, la violence contre les femmes n'est pas le problème des seules femmes, c'est le fléau de toute une nation. Ces actes affectent toutes les classes sociales, des plus aisées aux plus pauvres. Ils représentent une atteinte grave aux droits de la personne. La campagne des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, dont le thème cette année est « Oranger le monde,
la génération d'égalité s'oppose au viol, offre une telle opportunité de mobilisation. Au cours des deux prochaines semaines, de nombreuses activités vont permettre non seulement de sensibiliser la population aux problématiques de la violence sexuelle, mais aussi d'articuler des réponses adéquates à y apporter dans le contexte haïtien et de souligner la nécessité de renforcer les mécanismes de prise en charge des victimes. Si vous n'y prenez pas activement part, je vous encourage à échanger avec ceux qui le feront. Pour que cette campagne soit couronnée de succès, tous les acteurs de la société, particulièrement les jeunes, se doivent de joindre leurs forces à celles des femmes de ce pays qui ne cessent de se battre pour une Haïti libérée du joug de violence basée sur le genre. Permettez-moi de citer en conclusion. Le CSPJ voudrait éliminer l'utisme. Remercier le président de la République pour avoir décidé de porter cette campagne de 5 jours contre les violences faites aux femmes. Nous lui témoignons aussi notre gratitude pour avoir associé le pouvoir judiciaire à cet important événement visant la promotion des droits des femmes à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Comment oser croire que les femmes, cette créature extraordinaire qui immerge l'humanité dans ses matrices, pourraient être violentées sur notre planète? Comment pourrait-on imaginer une seconde, seule seconde, que les femmes, celles qui constituent les antibiotiques des hommes, l'oxygène de l'humanité et qui portent tous les grands de ce monde dans leurs entrailles, puissent être l'objet de violences. Pourtant, les femmes de toutes catégories sociales confondues subissent, à longueur de journée, des violences du fait même de leur sexe. Ces violences sont multiformes et multidimensionnelles. Elles sont sexuelles, conjugales et psychologiques. Malgré tous les progrès de l'humanité, les femmes continuent à être battues, violées et maltraitées. Elles subissent encore les affres des mariages forcés, précoces ou arrangés, du prosélytisme, d'abus sexuels, de la domesticité, de l'analphabétisme, du harcèlement, de l'inégalité salariale et de la discrimination de la milieu du travail. La problématique de la violence faite aux femmes avait atteint un seuil tellement révoltant que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté en 1993 la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au vu de cette déclaration, la violence à l'égard des femmes s'entend de tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Cet acte posé par l'Assemblée générale des Nations Unies a été un grand pas vers la bonne direction. Cependant, il reste beaucoup à faire, et particulièrement en Haïti, pour éradiquer les violences faites aux femmes. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien conscients que le pouvoir judiciaire est interpellé par rapport au rôle qu'il doit jouer dans la lutte contre la violence envers les femmes. Sachant que cela demande des réponses en termes de formation, de préparation intellectuelle et éthique de nos magistrats,
Nous avons intensifié leur formation dans le traitement des cas de violence faites aux femmes. Nous les avons sensibilisées sur l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences de toutes sortes. Aujourd'hui, il est un fait que les magistrats instruisent mieux les cas de violence faites aux femmes et apprécient avec le professionnalisme les préjudices qui en résultent. Le pays d'Haïti et un pile l'autre pays dans le monde campent ensemble pour mobiliser tout acteur, tout secteur dans la société a vous dit non. Non contre violence toute qualité qu'a fait toute femme, qu'a fait sous toute femme active dans le pays. Si pour nous pas faire effort pour quoi ces situations sérieux, pour nous respecter convention nous t'ai signé pour éliminer toute forme de violence sous forme active, nous pas qu'à atteindre aucun objectif pour développement durable nous. Nous pas qu'à accepter pour femme dans pays a subi violence seulement parce qu'elle est femme. Nous pas qu'à accepter pour petite fille, jeune fille et femme haïtien continue à subir viol avec toute qualité de violence sexuelle chaque jour. Et puis pour agresser continue à marcher sur le monde sans la loi pas faire. Pas faire payer pour ça. Pour crime que vous faites. Troupe politique, pas de servir ni excuse, ni prétexte pour faciliter les criminels qui commettent des actes de violence, agressés, maspinés, violés, déchappés qui commettent des femmes et puis pour continuer à tailler Banda. Si qu'il est libre, sans personne ne va dire rien. L'administration et le gouvernement ne peuvent pas quitter ça. C'est pour la justice agir comme ça doit, Jean-Maman loi pays a mandé ça. Nous devons, malgré nos divergences, nous engager au rétablissement de la paix, de la concorde et de la sécurité dans notre pays. Nous devons veiller à prévenir et à sanctionner, selon les prescrits de la loi, tout recours aux violences contre les femmes comme moyen de pression politique, de revendication et de représailles. Au nom de tous les membres de l'administration Moïse Lapin, au nom de ma femme Martine et en mon nom personnel, je profite de cette solennelle occasion pour condamner une fois de plus les viols perpétrés ces dernières semaines contre les femmes et les jeunes filles de notre pays par des malfrats profitant du climat d'insécurité. Plus précisément, ces femmes qui ont été violées à la prison des Gonaïves. Je renouvelle mes félicitations à la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi qu'à toute son équipe qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour accompagner les victimes dans leurs droits à la justice et à la réparation des crimes subis. Merci également aux organisations de la société civile qui se dévouent dans la prise en charge de ces femmes et de ces filles. Nos femmes, nos filles. Merci pour qu'aucune chaîne de travail n'a fait pour femmes actifs pays d'Haïti. Mesdames, l'État campé avec nous. Pas négliger porter plainte. Dénoncer les gens qui font des actes sous nous. Profiter. Appuyer à restreindre l'État avec l'autre organisation société civile pour accompagner. Je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, hommes, femmes, jeunes et vieux, responsables de services publics, dirigeants de sociétés, travailleurs et syndicats, responsables religieux, médias. J'en appelle à tout un chacun pour une mobilisation soutenue pour prévenir les violences, soutenir les femmes et les filles victimes de toutes les formes de violences et surtout dénoncer leurs agresseurs.